Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant PIC pour les radios LACES.fr, la radio RDC.fr, la radio Agora, la radio Dani et la radio Puissance Max. Pour notre mercredi 9 mars, notre KT aura lieu sur l'hippodrome de Amiens dans la Réunion 1 course 1 et ce sera la première étape du Grand Prix National du Trot, la fameuse caravane des trotteurs qui vont sillonner la France entière pour ce très très bel événement, donc Réunion 1 course 1, départ vers 14h, distance de 2900 mètres, 16 au départ. Donc je place en tête de ma sélection le 6 Falco d'Avaroche, mon cheval du jour pour ce quartier des plus réguliers, a le droit de venir prendre une belle place, même si il n'a pas trop l'habitude de courir corde à droite. Mais dans le quartier il devra être là parce que c'est un cheval des plus réguliers, donc j'y crois beaucoup. Je lui oppose le 5 Flamme Vive avec son driver du jour, c'est plutôt pas mal, j'y crois. Le 8 Faradico, elle adore cette hippodrome, donc grosse méfiance. Le 16 et voilà de Muse, mon très très gros coup de cœur pour ce quartier, pourquoi pas. Donc mes 4 bases pour cette première étape du GNT: le 6, le 5, le 8 et le 16. Le 3, favori de Liton avec Eric Raffa peut venir prendre une place. C'est pour ça que je l'ai placé qu'en 5e position, même avec monsieur Eric Raffa. Pourquoi? Parce que ce cheval n'est pas toujours sage. C'est son seul bémol. Mais bon. Le 4, Divine Monceau, elle est très régulière pour une belle place. Le 1, de la Chenevière. Eh oui. Donc, bon coup de folie pour ce quartier. Je termine ma sélection par le 9, Flaya Kaluma. En cas de don partant, le 2. Donc, mon choix du jour, le 6, mais de base, le 6 et le 5. Mon très très gros coup de cœur, le 16. Mon coup de folie, le 1. Et mon coup de poker, le 9. Mais de base, le 6 et le 5. Mais 2 sur 4. Le 6, le 5 et le 8, mes couplets gagnants placés, le 6, le 5, le 8 et le 16. Je répète ma sélection, mes amis, le 6, le 5, le 8, le 16, le 3, le 4, le 1 et le 9. Voilà, ça va être terminé pour notre quartier de notre mercredi, première étape du GNT, le Tour de France des trotteurs. Voilà, c'est parti pour cette caravane qui va donc sillonner la France entière. Retrouvez bien sûr mon pronostic sur la radio LACES.fr et sur la radio RDC.fr. Sur ce, mes amis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le Squall, l'Ansois, le Pharaon des courses.